PEGI 3. Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on poursuit, là on s'était arrêté. Donc maintenant on va explorer un petit peu d'autres petites... Voilà, d'autres petits véhicules. De super cartes. Êtes-vous prêts? On va voir qu'est-ce que ça va être. Est-ce que ça va bien se passer ou un petit peu moins bien. Donc là déjà je vois qu'on visite une autre ville à mon avis. Parce que c'est plus du tout la même configuration des lieux. Alors. Ça, oh yo yo, là, c'est un truc de dingue, hein, comment ça va pas blaguer. Allons-y vraiment doucement. Hein. J'ai pas envie de me faire avoir. En plus, ce qui est bien, c'est que ça va nous démarrer d'un coup dans le virage. Oh, il m'a bousculé. Ah, je le retiens ce phénomène. Hein. Ah, ouais, j'avais oublié la sensibilité. Ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué. Donc, du coup, ça risque de piquer un peu. Oulolo, tu m'étonnes. Hein. Donc, je crois qu'il faudra qu'on se qualifie. Hein. Je suis même pas certain encore pour le moment, mais c'est ce que j'ai l'impression. Ah oui, c'est... Oh lolo, c'est horrible, mec, tu joues plus pendant quelques jours et tu reviens, c'est... J'ai l'impression d'avoir des lacunes à rattraper, mais assez importantes, quoi. Ouh, aïe, 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 ça, je l'avais pas fait. Oh, je crois qu'il a démoli complètement le l'obstacle de... Oh, le pauvre, ils vont m'en vouloir après. Ils vont plus jamais m'inviter à des événements, à concourir des événements, parce que je sabote tout. Attendez, c'est le temps de reprendre un peu la main. Oi, 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 oi. En plus ils vont pas me lâcher les mecs. Alors maintenant le plus simple sincèrement de vous à moi, ça va être de vraiment tenir en tête par rapport aux deux tours. Ah c'est deux tours que je dois faire. Ok. Ça et le deuxième je commence un peu à reprendre la main légèrement. Ça c'est des jeux qu'il faut vraiment les continuer constamment quoi. Si tu t'arrêtes en moins quelques jours, tu reviens, t'as l'impression d'être en mode débutant quoi. Très rapidement les réflexes, c'est ce que je constate. La preuve, regardez. Oh là là, les réflexes de dingue, comment je les ai perdus. Et là, j'étais pas forcément le meilleur pilote, mais j'arrivais encore à tenir les premières positions de justesse. Mais alors maintenant, ça va devenir un peu plus complexe. Hein. Donc, le super kart, c'est vraiment un super aspirateur, moi j'appelle ça. Hein. Vu le bruit que ça fait, hein, c'est vraiment intéressant parce que tu te rends compte que c'est des vraies sensations quoi. Après, je sais pas ce qu'il y aura après le super kart, on va le découvrir ensemble hein, bien évidemment, mais je ne sais pas du tout. Parce qu'il y en a qui vont me dire, mais Body, il y a quoi exactement derrière? Je ne sais pas, on va voir. De toute façon, je vous ferai tous les véhicules. Hein. Continuer. Donc là, on est classé premier, coup de chance. Hein. Donc voilà, poursuivons. Donc là maintenant je crois que je dois avoir 8 victoires encore restantes. Donc si je conduis comme ça, ça va être pas être évident. Oui donc je disais de toute façon ne vous inquiétez pas pour ceux qui me demandent Body est-ce que tu aimerais bien faire ceci ou cela. Bon ne t'inquiète pas, hein, tout sera présenté. Pourquoi par contre là il m'en met abandonné la saison. Calendrier voyons. Ah faut faire vraiment attention avant de cliquer hein, dans ce jeu là. Il nous met quoi là? Ah tiens, j'avais peur, il nous met un autre parc en fait. Oui, donc je disais, mon objectif de toute façon, c'est de vous présenter tous les véhicules, tous les modes, etc. etc. Donc le faire tranquillement, c'est pas en mode prise de tête, hein, bien évidemment. Comme j'ai expliqué, je ne suis pas quelqu'un qui va chercher à 100% à conduire comme en réalité. Hein. Sinon, je m'achète tout simplement un mini-car, un super karting et je fais que ça. Hein. À longueur de journée où je vais sur le circuit du Mans ou je sais pas, hein, à côté et je m'amuse à faire des tours quoi. Comme un perfectionniste, mais là c'est pas le cas, c'est un jeu, donc je me prends plus du tout la tête. Hein. Bon, j'ai perdu beaucoup de temps là. Mince. Encore un petit effort. Allez, oh là là, ça va piquer. Hein. Donc les saisons, je ne sais pas combien il y en a en fait exactement, mais j'ai pu en avoir qu'il y en a vraiment pas mal. Donc ça va vous faire vraiment toutes sortes de catégories de voitures. C'est déjà un bon point positif hein, pour les vrais fans de ce genre de jeu en fait. Hein. Ça risque de vous faire plaisir. C'est que ça va pas s'arrêter au bout de 5 ou 10 courses en fait.
Donc un peu plus tard, je vais alterner les vues. Pour l'instant, laissez-moi le temps de me réhabituer rapidement à vos sensations. Et après ça, je n'ai pas oublié. Oh là là, j'ai fait du hors-piste total là. Vous voyez, ça m'est pas arrivé, hein. Depuis un petit moment, quoi. Tellement que je suis passé sur divers jeux et je me rends compte que les réflexes sont plus aussi importants qu'avant, quoi. Ça va revenir à force de pratique, comme je dis toujours. Hein. Même si vous avez aussi de la lacune, ne perdez pas espoir. Hein. C'est pas compliqué, il faudra juste vous habituer. Tranquillement, à force de vous exercer, bah, vous allez finir par réussir au bout d'un moment. Si vous voyez que c'est vraiment trop dur, ne cherchez pas franchement à vous prendre la tête non plus. Hein. Essayez d'adapter vos difficultés par rapport au jeu. Et si après vous trouvez ça un peu trop facile, bah, vous augmentez au fur et à mesure la difficulté jusqu'au moment où vous avez atteint la limite que vous avez souhaité en fait. Atteindre. Ça sert non plus de jouer à 100% une difficulté si vous n'allez pas réussir au moins à tenir un seul tour ou une seule course, si vous voyez ce que je veux dire. Donc après, je pense qu'on sera du même avis, non? Pourquoi je suis 12e là? Parce que je ne me suis pas encore bien qualifié. C'est plutôt progressif en fait. Hein. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est au fur et à mesure que tu prends plus de niveau. Oh là là, au secours. Oh, j'étais complètement envoyé dans la déco. Je voulais faire le test. Par contre, le temps que tu rentres sur l'asphalte, bon, non, le temps qu'on a perdu. Hein. Mais ça va, ça ne me frustre pas plus que ça en fait. Je sais pas il y a combien de tours, donc après à moi de bien me qualifier parce que là je fais n'importe quoi. Au secours. Donc la voiture devant elle va quand même assez vite, hein. On va pas se mentir, donc à moi de vite la rattraper juste derrière. Bien se passer à votre avis ou pas vraiment? Je vois que je me fais rattraper aussi un petit peu par les mecs derrière. Il y a des virages qui sont assez importants, donc si on prend beaucoup de vitesse, on va avoir du mal à l'attraper. Peut-être que j'ai la possibilité de le rattraper dans quelques temps, la voiture devant là. Vous voyez, je commence déjà à la rattraper. Oh putain, par contre, ouais, tu m'étonnes, je la rattrape. Hein. J'ai bien coupé le fromage, par contre, je suis désolé. Ah, il m'a rentré dedans, j'ai complètement gêné. Ah, je suis une saleté. Hein. Donc après les qualifications, c'est ce que beaucoup me disaient, c'est que c'est assez long quand même, hein, maintenant à partir de là. Hein. Faut vraiment faire beaucoup de tours pour pouvoir tenir quelque chose d'intéressant, à moins de plus sortir du circuit. Mais sincèrement, si vous observez comme ça, au premier coup d'œil, en fait, on a l'impression que c'est extrêmement facile, mais c'est super sensible. Après, en même temps, bah, dès que tu fais du hors-piste légèrement, bah, tu sens que tu peux déraper, même si tu suis correctement les flèches ou que tu les suis pas. Hein. Des fois, même si ça sert à rien non plus de suivre à chaque fois le mec, le perfectionniste, quoi. Regarde le casque, il a pas tapé sur la bonne flèche, donc c'est bon, tu sais pas jouer. Non, le but, c'est d'arriver premier, donc déjà, c'est l'importance. Après, peu importe les flèches, c'est juste pour vous aiguiller un petit peu comment faut tourner. Hein. Même si des fois tu tournes là et il faut tourner là, bah c'est pas pour autant que tu prendras pas une bonne courbe en fait. Hein. C'est le circuit le plus délicat, c'est là quoi. Donc je pense que là, ce tour là il est beaucoup plus intéressant que les deux précédents, les trois précédents. Ouais, pas vraiment. Hein. Oh là là, body la catastrophe, c'est horrible. C'est horrible comment là il gère là. Oh, c'est horrible là. Ah, je crois que je vais peut-être en rattraper un dans pas longtemps. Si je me loupe pas dans ce virage. Mais en plus, plus à mon avis on va avancer dans les catégories, plus les voitures vont aller encore plus vite. Donc imaginez-vous les réflexes qu'il faudra avoir au bon moment après. C'est ce que je m'inquiète le plus. Pour l'instant ça va, ça va vite quand même, mais pas non plus. C'est pas les voitures les plus rapides du jeu que j'ai en main encore. Hein. Après, il faut dire qu'elles accrochent un petit peu mieux aussi. Hein. Que le super kart, c'est le super. Je sais pas, on dirait super chauffage quoi. C'est un arrière-air ce truc. C'est trop marrant quoi. Oh putain. Je suis désolé, mais je te bouscule. Oh là là, il m'a carrément sorti
en dehors des de la piste. Oh l'ordure. Oh l'ordure. Oh, je vais jamais dépasser, je suis tout le temps en dernière position. Parce que s'il y en a un que je dois dépasser en question, c'est le bronze là. C'est ça mon défi en fait, à mon avis. C'est pas dépasser tous les mecs, mais ça doit être un. Peut-être que c'est lui devant, j'en sais rien. Hein. Donc je l'aurais pas dépassé. Oh putain, comment il bombarde! Donc là, peut-être que j'aurai la possibilité de le rattraper, j'en sais rien. Dommage qu'on peut pas voir le nom du pilote là devant. Dégage. Franchement, je suis une ordure dans les jeux de simulation. Le pauvre, je l'ai complètement sorti en dehors de la piste. Comme il m'a fait, hein. Je suis vraiment rancunier, quoi, avec les petits malins. J'avais cru quoi, que j'allais me laisser faire, hein. Et bah non. Donc j'arrive pas à dépasser l'autre clown, là. Il est où, là? Ah, il est trop loin. Ah, peut-être, il y en a un qui tombe dans le virage. Donc à moi de speeder encore. Il est déjà en ligne droite, le gars. Je suis pas certain, hein. Ah, il y en a même deux, donc peut-être qu'on pourrait les rattraper. Trois. Cool. Parce que je vois sur la carte en haut à gauche, hein, qu'il y en a trois. On commence à mieux en mieux s'en sortir. Vous voyez, c'est juste une question de rhabitude. Hein. Et ça, c'est un jeu, il faut vraiment que je le fasse limite quotidiennement, sinon je vais vraiment perdre des réflexes. Et au final, je vais finir par faire n'importe quoi chez toi. Donc là, coup de chance, c'est que j'arrive à reprendre les réflexes. Ah, c'est bon, là, c'est bon. Au bout de 6 tours, le jeu revient. Il suffit de voir, hein. Parce que je vous mens pas. Hein. Tu t'en vas. Donc là, il en reste encore 3 à rattraper, à mon avis. Ah, il va vite, il est devant. Hein. Il faut que tu te calmes. Hein. Hey, Pépé, va trop loin. Hein. Hey, sois pas fou. Hein. Oh là là. Ils en sont pas loin de la ligne d'arrivée. Ah, ça c'est bien ça. Donc là, il y en a encore un autre à rattraper devant. Je commence à bien monter au niveau des. Je grignote là les positions. Il y en a encore deux devant. Mais en fait, ça va être sans fin quoi. D'ailleurs, vous très bien, on le dépasse ou pas? Si je fais pas un faux pas, on le dépasse. Surtout dans le virage, peut-être ici. Même là, il bombarde les gars. Eh, faut te calmer. Oh putain, oh là, comment il est passé tout près de moi. Adieu. Ah, ça y est, premier, cool, on l'a dépassé. C'était ce petit con qu'il fallait dépasser. Trop fort. Enfin. En fait, il fallait trouver la bonne voiture à dépasser, quoi. J'avais raison. Pourquoi tu parles de 3-4 fois d'affilée, presque de ouf. Il est fou. Le gars, il parle plusieurs fois. J'avais raison. Le perroquet sort de son corps. Vite. Non, sincèrement, maintenant on est bien. Je suis bien classé. Donc peut-être que les prochains tours, faudra que je les maintienne pour que je puisse les remporter. Oh putain, le fromage, je vais découper comme un con. Heureusement qu'on prend pas vraiment une pénalité sévère par rapport à ça. Y est, c'est la ligne d'arrivée, je vois. Bah oui, je l'ai relié tout à l'heure, la ligne d'arrivée, mais je crois qu'on va la remporter, non, négatif. Il y a 10 tours, hein, de toute façon, à mon avis. Essayons de rattraper celui-là histoire de prendre encore plus d'avance, body. Montre-nous. Ouais, c'est bon, bah. C'est assez particulier quand même, hein. Mais on a quand même réussi, donc maintenant on conduit. Je crois que c'est. Tu fais le maximum de tours, en fait, c'est pas le maximum. T'as de 1 tour à 10 tours le temps que tu dépasses pas le concurrent, quoi. C'est bien ce qui me semble, hein. Là, on a combien? C'est la même chose, c'est les mêmes qualifications. Oh là là. Ça, je suis un peu moins fan des qualifs, hein, mais ça fait partie du jeu, donc je vais pas vous péter. En plus, il fait super beau dans le jeu. Hein. Il y a du soleil et tout, c'est vraiment sympa. Là, je risque d'être plutôt bien si j'arrive à rattraper un mec là en question. Oh non, Body, tu nous as jamais fait ça. Pourquoi tu commences à faire du hors-piste? T'es fou ou quoi? T'es stressé? Faut dormir, hein.
Il y a une voiture rouge, donc c'est là que je dois dépasser, je vois un petit point rouge. Oh, il m'a fait flipper avec le truc là. Vas-y, Body, fais le meilleur chrono, rapproche-toi le plus de l'objectif. Je suis 12e, mince. Rattrapons tout ça. Là, je vais pas faire le con. Ouais, 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 ça risque de vraiment souper à tout. Ah, mais sincèrement, à chaque fois, j'ai peur de quitter le circuit. Hein. Ça peut être vraiment super dangereux pour ma part. Ça, faut même pas que je me prends la tête, sincèrement. Voilà, oh là, vive le circuit. Hein. Mon body, c'est bien gentil, mais tu pourrais changer de vue. Oui, si tu veux. Maintenant que j'ai pris un peu plus les réflexes, c'est bon. Ah, parce que c'est pas facile de reprendre les réflexes avec tous les buts possibles. Hein. Ça va piquer. Encore un petit effort. Ça, on va dire je me traîne un tout petit peu plus avec cette vue là pour le moment. Et ça m'a perturbé le truc qu'ils avaient marqué en bas là. Oh là 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 là. Oh, pourquoi j'ai regardé. Et sincèrement, vas-y, attends, tu sais quoi. Et je reprends cette vue là parce que j'arrive plus vite. Pour l'instant, laissez-moi le temps de me refamiliariser avec le truc. Oh yo 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 yo, ça y est, je suis plus dedans, attends, parce que je suis en train de regarder les compteurs de performance sur les côtés et ça y est, ça m'a complètement chamboulé. Comme quoi qu'on peut pas faire tout à la fois. Hein. Mais les qualifs sont quand même assez longues. Hein. Je suis un traînard, donc laisse tomber le temps que je me bouge là. Ça c'est bien. Ah, il a battu le record du tour. Bon bah, faudrait qu'on lui fasse pareil, hein. Faudrait qu'on batte le record. Là, c'est un petit peu le meilleur temps qu'il emporte, quoi. Ah, le temps il est pas valide, oh purée, à cause d'un tout petit virage. Puis je sens vraiment le vent qui m'emporte aussi. Je sais pas comment on va faire là pour emporter quelque chose, ils sont super loin les concurrents. Et si je coupe par là, tiens. Oh le tricheur, oh. Le tricheur, ça il en a marre, il coupe tout en fait. Donc je vais pas dépasser l'autre, de toute façon ça y est, je commence à aller voir les autres là. Vous voyez, c'est pas tout de suite qu'il me les donne, il me les donne au bout de quelques tours. Hein. À moins que tu bombardes très rapidement, mais chose que j'ai un peu de mal à faire. Voilà, c'est bien. La prochaine voiture, elle est juste en face. Elle a tourné le virage. Vas-y, accélère comme si tu joues ta vie. Elle est juste en ligne droite. Ça va être dur de la rattraper, je crois. Ah, ça, elle a déjà tourné là-bas au fond. Oh, yo, yo. Ça y est, on en voit. Ça y est, je vois le point rouge. On peut le dépasser. Vous le voyez le point rouge, c'est ça qu'il faut que je dépasse. C'est trop cool.
C'est pour ça que je m'entraînais comme un traînard là. Attends, le point rouge, faut qu'on le dépasse. Il est juste à côté. À mon avis, dès qu'on l'aura dépassé, ce sera le concurrent initial qu'il faudra combattre en fait. Hein. Et à partir de là, on va peut-être obtenir la première place. Je suis pas certain, mais vous voyez bien comment on a fait. On s'est rapproché des voitures bizarrement. Au bout de 5 tours, donc ça va déjà, c'est plutôt correct. Ça va aller vite là. Vas-y, Bouddhi, t'as intérêt à vite bombarder. Il reste les 3 petits cons à dépasser et c'est bon. Oh putain, ouais, tu vas vachement les dépasser, hein. Tu vas vachement les dépasser. Aïe, 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 ça secoue. Oh, c'est la merde, c'est la crise. C'est la crise. Stabilise-moi ça. Le mec est totalement panique. Il est complètement fou. Alors, comment faire? Tout peut nous arriver encore. Hein. Allez, j'ai pas dit mon dernier mot. Hein. Je vais pas me laisser abattre. Hein. Il reste. Oh là, toutes les voitures que je vais essayer de se matcher là. C'est quoi? Et hop, salut les gars, je vous aime bien. Oh. Ah, on a eu un avertissement. Ah ouais, au bout du troisième, t'es éjecté. Aïe, aïe, aïe. Donc, faut pas que je coupe comme ça. Hein. Ok, bon, je viens d'apprendre qu'il faut pas couper. Hein. Ils aiment pas les tricheurs, comme on appelle ça dans le jargon. Donc voilà, c'est bon, c'est là que ça va jouer. Ouais. Si j'arrive à les dépasser là, vous dire on va remporter la victoire. C'est le mec de devant, faut que je dépasse. Le point rouge là. Oh putain, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je vois que la pelouse. Eh, sérieux, je douche ou quoi? Je suis sérieux là? Oh là là, ça pique, ça pique, ça pique. Eh, c'est. Au bout d'un moment, en fait, c'est le fait de jouer, c'est que tu commences à pas un petit peu à stresser. Lui aussi, oh non, non, je crois qu'il était tombé en panne, lui aussi, oh non, il y a qu'à moi que ça arrive, et je joue comme une merde. Allez, vas-y, c'est pas grave, on va essayer de remonter quand même, l'objectif c'est de remporter quand même un petit peu de points. De toute façon, on a encore 4 tours, hein, si j'arrive à bien me dépatouiller. C'est là qu'il faut pas que je coupe, ils aiment pas. Hein. Oh là là, c'est pas du bowling booty, ça y est, je l'ai dépassé. Et en plus, si j'arrive à le faire devant avant la ligne d'arrivée, peut-être qu'on passera premier, je ne sais pas. Hein. Ça, mais comme ça. Non, même pour l'autre. Si, non. Ils comptent pas vraiment. J'ai pas compris là. Ils vont peut-être me donner un autre objectif à dépasser. Non, en fait, c'était pas ça. Hein. Le rouge, non. Peut-être qu'il fallait. Ah, je sais pas. Bon, tu sais quoi, je bombarde comme si c'est le premier à attraper là. Allez. Peut-être que c'est lui devant maintenant qu'il faut qu'on rattrape. Je ne sais pas. Ouais, possible, possible. Hein. Oh, le circuit, celui-là est un peu corsé. Hein. À votre avis, on va remporter la victoire ou pas? Moi, j'en doute un peu, mais je perds pas non plus espoir. Voilà, ouais, le joystick, faut vraiment que je fasse quelque chose. Hein. Et tous mes chronos sont invalidés depuis tout à l'heure, t'imagines? Non, oh non, non, on est même pas encore qualifié. Oh là là, le délire. Oh, ils sont lents, leur élimination et leur qualification là. Vivement le championnat parce que là c'est le truc que je préfère, le championnat moi. Au moins tu sais que tu l'as dépassé. Je suis classé combien? 12e. Bon, c'est pas grave. On va pas faire 15 tours. Hein. Conduire. Ça se peut qu'ils mettent à la 12e position. Voilà, je m'en doutais qu'ils allaient mettre à la dernière. C'est pas grave, on a 2 tours. C'est pour ça qu'il fallait rapidement s'en rapprocher. Bon, c'est pas grave. À moins d'être plus parfait maintenant dans les courbes. Eh les gars, je passe, je suis désolé, je mérite ma place de leader. C'est pas si méchant encore. Eh, ils sont plus dangereux que moi les deux fous là, c'est bon, premier, allez bisous. Donc les éliminateurs nous ont servi pas grand chose, c'était juste pour nous placer en deuxième position. Si j'arrive à remporter la victoire, on aura tout compris. C'est là le plus important à mes yeux, c'est le calibre, on s'en fout un peu combien on arrive, c'est juste d'être... Ça nous permettra d'être classé sur la grille de départ quoi. Oh, le stress, je vous dis pas. J'essaye quand même de pas couper le fromage comme j'avais fait précédemment.
C'est que c'est rouge comme ça, c'est super dangereux. Là, on va essayer de mieux conduire, parce que là, c'est vraiment la grande finale. Et là, rappelez-vous, c'est qu'il y a un virage assez traumatisant à mes yeux. C'est bon, on l'a franchi pour l'instant. Premier tour accompli. Non, pas longtemps. Vas-y, vas-y, bouge tes fesses. Ouais, c'est bon. Je regarde même pas ce qu'il y a marqué, je m'en fous, je me concentre sur le circuit, moi. Donc les calibres, dommage qu'on peut pas les passer. Ça m'aurait évité de faire des tours dans le vent, quoi. Généralement, dès que tu finis 12e, t'es hyper mal classé pour remporter la victoire, en fait. C'est ce que je constate. Donc là, on a bien bombardé, quand même. Hein. C'est bizarre, je m'en sors mieux que tout à l'heure. Vous trouvez pas? Maintenant, je sais que je suis en pleine compétition, donc du coup, c'est plus intéressant, là. Trop fort. Je vais juste de mettre la compète pour que je remporte. C'est plus chaud. Voilà, sensibilité, faut que j'essaie de régler ça, parce que là, ça devient un peu hardcore. Ah, il y en a, j'ai cru qu'il avait perdu ses bouteilles. Son pot, je sais pas trop quoi. Donc voilà, franchement, on est bien là. On l'a bien écrasé, le concurrent. Magnifique. Et ben, c'était pas fastoche, hein, sincèrement. Les qualifs, ouais, bof, j'ai pas kiffé. Hein. Ben ça, en tout cas, on s'est bien classé. Voilà, victoire obtenue, hein. 50 points. Hein. Magnifique. Qu'est-ce qu'il va nous sortir encore? Oh non, encore les qualifs, on chie avec ça. Ah non, c'est une autre course, pardonnez-moi. C'est parti. Donc une autre course, donc ça va être le même délire. Et j'ai les mains moites là déjà. On va ralentir. De toute façon, je suis premier, donc j'ai pas à stresser, j'ai pas tout le monde à rattraper. Aïe 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 aïe, je risque de faire un chalier, je veux dire le bateau quoi. le grand radiateur sur le côté. On dirait un climatisateur. Ah, j'arrive plus à parler. On dirait un climatisateur. Oh lolo. On dirait la clim en fait. On dirait un grand climatiseur. Oh là là, et moi je dis un climatiseur. Oh, je te jure, des fois, pendant que tu joues, c'est vraiment pas évident de se concentrer sur trop de choses. Non, ça me fait trop rigoler. On dirait une énorme clim derrière ou un chauffage ou j'en sais rien. Ah, ils ont fait vraiment les supercars d'une façon assez marrante quoi. Je vais ralentir parce que c'est là le moment le plus dangereux pour ma part. Donc là, on a encore deux tours à tenir. Hein. On va remporter peut-être la victoire. C'est bon. Donc là, j'ai ralenti. Je sais même pas pourquoi je commence à paniquer. Tu sais, les bodies, ça y est, ils commencent à avoir limite la fin. En fait, ce qui est bien, par contre, dans les qualifs, je vais pas vous mentir, il y a juste un truc qui est positif, c'est que tu mémorises vraiment bien le circuit. Dès que tu le mémorises, c'est beaucoup plus radical après pour le remporter. Voilà. Encore un peu. Donc c'est là. Aïe 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 aïe. Oh là là la pousse. J'ai failli de l'avoir là. J'ai failli de la déguster, sincèrement. Je me méfie. Oui, 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 oui. Heureusement qu'il y a le freinage d'urgence en mode jeu. Hein. Donc là, on a remporté la victoire. Rassure-moi. Magnifique. Eh ben. Vive les mains moites. Hein. Continuez. C'est bon. Les deux sont franchis. Magnifique. Vous allez voir qu'il va encore nous donner deux courses encore à faire. Un calendrier avec beaucoup d'épreuves encore. Non, c'est bien, franchement, ça montre qu'on progresse petit à petit, quoi. Au début, c'est pas évident de revenir dessus, mais au fur et à mesure, bah, regardez bien,
C'est pas non plus. Bah, c'est pas évident, hein. Ça a l'air comme ça, fastoche, mais même si tu mets le niveau des vétérans, tu joues de la même manière, on va te dire, mets le niveau légendaire, etc. Moi, je prends mon temps, je m'adapte et je verrai après comment ça fonctionne, hein. On aura encore des choses à concourir, hein. Là, on aura encore une autre épreuve, hein, comme on pourra voir, hein. Donc, c'est cool. Voilà, un nouveau championnat sera dans le prochain épisode dispo. Et moi, je vous retrouve pour la suite. Prenez soin de vous. Gros bisous. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Tous les liens sont dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous et à très bientôt.